other plants, other humans, other life in other places have a different set of teachings. We here on this planet, we have a need for this fire, the sun. Without it, the earth will be no more. The earth will dissolve. So it is said that we are dependent upon the sun. It is the giver of energy. It brings green things upon the earth. It was set in motion this way. And now the last one is our mother, the earth. Our mother, the earth, who we are dependent for sustenance, food. We pray for the food. We understand the food. To learn how to do this. So those eight you must always remember in your prayers. The unborn, the young, the old, the animal world, the fire, the water, the sun, and our mother, the earth. There are eight of them. You don't need to pray for anything else. These eight covers the entire universe in your life. Your loved ones are covered in this. Everybody is covered. There's nobody left out. Even your dog is covered. Everybody is covered in this. When you think about these eight, at the end of your prayer, you say, Mitakye vyasi, all my relations. Now we'll stop there and ask you, do you have the right to say this? All my relations. Are you strong enough to say this? Is your mind, do you have no enemies? That's why you say this. Do you love all your brothers and sisters, even those who criticize you? Can you forgive? Is what it means. Are you strong to forgive? That you say, all my relations at the end of a prayer. Mitakyo yasi. A person says, Mitakyo yasi, and what he is doing is saying, everybody, what you are saying is, forgive me, for I am weak. You're saying this to all the so-called enemies, critics, liars, people in prison, people in politics, all people in all walks of life. You say, Mitakyo yasi, all my relations. That is a very, very broad word. And there is nothing left. Negatives and positives, they're all right there. Mitakyo yasi. You come out of the sweat lodge, you say the same thing. You say, all my relations. You cannot come out of that sweat lodge until you say, all my relations. If you say, let me out, I'm not going to let you out. Until you learn how to say, all my relations. Mitakyo yasi. You can say it in your own language. Mitakyo yasi. It doesn't matter how you apply it. Can you say it? And really mean what you're saying. Because it's a little word and yet it encompasses everything in life. It brings it all together. It's a big word. So these four, these eight you pray for, and this is what you say to finish. It is not necessary for you to pick up a Bible and memorize verses of Psalms from any one of the teachers of the Old Testament or the New Testament. It is not necessary for you to memorize these prayers made by the Bibles. It is not necessary. For they are there only for a purpose. In the very beginning of time, they were there so that the people will remember. In the Old Testament, it says, remember the tree of life.
only one sentence. It says, remember the tree of life. But this tree of life is the human, the life that we live, the tree of life. Also, in this Old Testament, it says, behold the behemoth. Scientists today are looking at this behemoth, something large, enormous. But they think about an animal. They think about a hippopotamus, a rhinoceros. They don't think about the ultimate power. Behold a behemoth. Behold the Creator. It would have been easier to put it that way. But in those days, wise men were egotistic. And they used words that you must look for the answers. Wise men, they teach you these things. Here you are, 90% I give to you, I will teach you. You find the 10%. That's what they're saying. Behold the behemoth. You find these in the Old Testament. You will never find them in the New Testament. In the New Testaments of Matthew, Mark, Luke, and John, it's completely deranged. It is not according to the teachings of Jesus Christ. For here are four people who put it in writing, each one understanding it in his own ways. So the confusion came from the New Testament. This, what guides your life, has been misinterpreted. It will be like what I teach you now. You all leave and I tell you to write a story of what you heard. Each one will write about something different and then you will argue with one another. And he said, no, he didn't say this. No, he did say this. No, he didn't say this. A person broad in mind and understand it, will understand it. And he can write about it. This is what it was meant. This is what it is said. But in order to do this, you must live it. I am now prepared to sit down in front of the Prophet who is coming. And when he talks, my level of thought will be identical to this. And what he teaches, I can teach because I will be thinking just like him. For it has been escalated to that. You rise above. I've learned from teachers also. I've learned from Maharishi Grewal and Maharishi Yogi. In India, I'm known as Maharishi Lamedeer. I'm also a Maharishi. I hold the same position on paper and in their teaching, the Swamis. A Maharishi. These are only titles. They don't mean nothing to me. They give you these titles so people are impressed by titles. Doctors, you know, physician. They're very impressed. You see a doctor on there. I hold 3 doctorate degrees in 3 universities. I've never went as far as 5th grade. But I've earned these through life in such a short time. The work you do, people see it and they help you along. What they think you should need to give to you. It's easy to give. It's easy to give out doctorates from different universities because a man's a teacher. Oh, let's call him doctor. Yeah. Doesn't mean nothing to me. In my world, of my teaching, from my grandfathers, those don't mean nothing. They do to you, but to me they don't mean nothing. Only titles. So, the funniest thing I have ever seen was in Switzerland. 2 years ago, in Glan, Switzerland,
All the kings and queens were there, and the princes and the princesses. They were from the gathering of the World Wildlife Association. Everybody was there, people with big money. They invited me to do the opening talk. And the funny part is, when I walked inside, all the kings and princesses stood up, you know. And that was the funniest thing I've ever seen. And each king, from Olaf to Gustav to Prince Charles, all these people, Juliana, they come and shake your hands and kiss your hand. You know? All these people were doing this, you know. They come and shake your hands, they kiss your hand. These are kings and queens. I really felt shamed after they got through. I never was so shamed in my life. To watch these people. They don't know who I am. Maybe they do, but to me, they're just a bunch of people who gets a lot of money from all the people and they use it for themselves. That's the way I look at it. But they give to the animals today to help the World Wildlife Association. And I appreciate that for the behalf of the animals. That was the funniest thing I have ever seen. Contrary to meeting the Pope. The Pope put out his hand like this, you know, for me to kiss that ring he had on, you know. I grabbed it and I put some pressure on it. I had it going like this when I got through it, and I was trying to bring blood back inside. You know. It was like holding on to a wet rag. And his very soft hands. So every person you meet has titles, has different things. But they should not raise themselves beyond humanity. Escalate themselves beyond everybody. You must be able to come down at the level of all people and pray with them. Today I'm teaching you, 2 years, 3 years from now, I will be teaching all the people, traveling. I know what my destiny holds. I've seen it already. I know what I have to do. For those of you that are here, you learn and understand. And I will go on with the teaching to more people, more and more people like this. And the teachings gets bigger and bigger and bigger. And my feeling is that I want to make two rings around the world. People holding on to each other's hands and praying. Completing two rings around the world. That is what I like to see, to do this, so that we can all become one and start to help. We must learn how to pray. Did you foresee this two rings? So it will happen. Yes, I know you can't speed it along. You have to have patience. And just go along very slow. Bon, je vais prendre le début. Vous me relayez à partir de la boue. J'ai pas suivi. Hein. Alors, il faut apprendre à prier. Et il faut prier 8 choses. Enfin, 8 entités. Il faut prier pour les autres générations. Prier pour ceux qui ne sont pas encore nés. Prier pour ceux qui sont les jeunes. Prier pour ceux qui sont les vieux, entre guillemets, les matures, si vous voulez. Il semblerait que le passage entre les jeunes et les matures se passe aux alentours de l'âge de 12 ans, au cours de l'époque à laquelle il y a, donc, sans doute un rituel initiatique ou des choses de cette nature. Il faut prier pour les animaux à deux pattes, les animaux à quatre pattes, les animaux rampants, les animaux nageants et les animaux volants. Il faut donc prier pour tout ce qui est vivant, afin que ces créatures vivantes nous aident.
Il faut aussi prier pour l'air, afin qu'il ne soit pas plus pollué. Car la pollution de l'air est la forme la plus haute de la destruction. C'est aussi la forme la plus haute du péché contre le Créateur et contre l'humanité. La pollution de l'air détruit nous-mêmes et détruit aussi l'esprit de nos parents et de nos grands-parents et de la lignée humaine. L'air fait plus que respirer. L'air, c'est en fait le souffle, une forme de l'âme. Le chrétien dit « mon âme est pure », mais en réalité c'est faux, car l'air respiré étant aussi de l'âme, cet air respiré c'est aussi celui des anciens. Nous respirons le même air que les anciens respirons, nous devrions respirer le même air que les anciens respirent, et comme cet air est pollué, le chrétien aujourd'hui ne peut plus dire « mon âme est pure ». L'eau, il faut prier pour l'eau. L'eau vient de l'océan, à travers l'air, sous forme de gouttes de pluie. Elle tombe sur la terre et voyage vers la mer à raison d'un inch, c'est un pouce peut-être, un pouce par an. Il faut donc des milliers d'années pour à cette goutte d'eau, à cette goutte de pluie pour revenir à l'océan. Et puis ensuite, au bout de ce cycle qui dure des milliers d'années, le cycle recommence, ça redevient une goutte d'eau et qui retombe sur la terre, etc. L'eau que tu bois est la même qui est bue par les poissons, et elle est de milliards d'années. Elle reste dans ton corps, puis lorsque tu meurs et que tu retournes à la terre, elle retourne aussi à la terre sous forme d'eau, et elle refait le même cycle. Donc quelque part en disant cela, je pense qu'il dit que l'eau est éternelle, donc quelque part nous sommes aussi éternels. Tu ne peux vivre sans retourner à ta mère la terre, car cela est le plan du Créateur. Il faut que tu pries le feu. Le feu, c'est la chaleur, c'est l'électricité, c'est les flammes. Toutes ces choses viennent du soleil qui donne énergie. Sur cette planète, nous avons besoin du soleil, sinon pas de terre, pas de vie de la terre. La vie sur la terre dépend du soleil qui donne donc l'énergie vitale. Il faut prier aussi pour la terre, pour ta mère la terre, car tu en dépends pour ta nourriture. Il faut prier pour ta nourriture, il faut que tu apprennes à prier pour ta nourriture. Il faut toujours englober tout cela, ces huit-là, dans nos prières. Je répète, les non-nés, les jeunes, les vieux, les animaux avec toutes sortes de caractéristiques, l'air, l'eau, le feu, la terre. Ceci concerne tout le monde et toute personne dans le monde et toute la création. Toutes ces créatures sont incluses dans une expression indienne qui se dit « Metta Keo Oyasin » et que vous devez apprendre, qui signifie « tous mes, all my relations, tous mes parents hein, ». Tu as entendu que les plantes sont nos parents, que les animaux à deux pattes, à quatre pattes, etc. Tout cela sont nos parents. Si la dépendance. Non, ce sont nos parents. Hein. Ils font partie de notre famille. Si vous voulez sortir de la Sweat Lodge en ayant trop chaud, par exemple, si vous dites « je veux sortir, laisse-moi sortir », etc., l'Indien ne t'ouvrira pas la porte. Il faut que tu dises « Metta Keo Oyasin » en Lakota, ou alors « all my relations » en anglais, ou « à tous mes parents » en français, selon ce que vous voudrez faire. Maintenant, il faut savoir si vous avez le droit de dire, si vous pouvez réellement dire cela en sachant ce que cela veut dire. Ainsi, est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Savez-vous pardonner? Êtes-vous fort? Savez-vous demander pardon aussi? Pouvez-vous ne pas critiquer autrui? Tu ne pourras pas sortir de la Sweat Lodge sans dire cela. Je ne te laisserai pas sortir. Bon, ça, je me répète, bon. Car cette expression, ce mot, cette expression Metta Keo Oyasin nous réunit tous et nous rend tous parents. Il n'est pas nécessaire d'apprendre des versets, des passages de la Bible pour prier de manière efficace, car toute chose, toute créature, toute vie et toute la création est incluse dans cette expression-là. Dans l'Ancien Testament, il y a une phrase qui dit cela aussi, c'est « Souviens-toi de l'arbre de vie ». Car cet arbre de vie, c'est bel et bien l'image de la terre, des humains et de toute la création. Le Nouveau Testament n'est pas en accord avec Jésus-Christ. Une confusion vient de là et c'est là que je me suis arrêtée. Oui, en fait, la confusion que Fayaling dit évoque, c'est celle de l'interprétation. C'est-à-dire que
Il dit qu'à chaque fois que quelqu'un retranscrit les paroles de, ou le message de quelqu'un d'autre, il le déforme automatiquement. Par conséquent, plus particulièrement les quatre évangiles ne peuvent pas correspondre à la vérité dans la mesure où, justement, il y a eu interprétation ou, enfin en tout cas, un passage au travers d'une autre personne, quoi. Il a dit aussi que si on écrivait à la fin des quatre jours, si on écrivait ce qu'il nous a dit, chacun séparément, il y aurait autant de versions différentes. Est-ce que vous aviez suivi ce qu'il disait, ou alors est-ce que le fait que Erika retrace, d'ailleurs elle l'a fait super bien, hein, c'est incroyable. Oui, elle a pris des notes assez habituée en prenant des notes. Mais... Est-ce que vous aviez suivi pendant ce temps-là ? C'est difficile. Quoi, on n'entend pas suffisamment l'anglais. Pas tout. Mais est-ce qu'il vous a manqué des choses essentielles ? Je dis ça pour la suite, pour essayer d'organiser si jamais. On se tutoie. Moi, je pense que de toute façon, la traduction, quand même, est nécessaire. Si tu envisages par exemple de ne pas la faire, quoi, moi je pense qu'elle est nécessaire. Parce qu'il y a des trucs, les discours sont assez longs, on n'est pas toujours très attentif, alors des fois si on perd un mot, on n'arrive pas très bien à suivre le reste. Quoi. Ouais. D'accord. Bonjour. Bonjour. Pour la traduction, il faut du papier pour que je prenne des notes. Ah oui, des qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Tu lui as posé une question. Je n'avais pas bien compris ce qu'il disait. Oui. Bon, évidemment, il allait me dire comme toutes les personnes intermédiaires entre les plans supérieurs et notre plan ami. Se sent une mission. Il en a déjà parlé tout à l'heure en disant que bon, il était lui, il aurait bien aimé. Lui, il est soumis également à des lois, évidemment, qu'il aimerait bien faire aller à la pêche à la ligne, tout simplement, mais qu'il a quelque chose à faire et qu'il ne peut pas s'y soustraire. Bon, au même titre, si nous sommes tous là, c'est pour une bonne raison. Ça n'est absolument pas un hasard. Ou alors c'est un hasard en ce sens que bon, c'est voulu par une cause que nous ne connaissons pas. Et à partir de là, bon, il a dit que bon, il avait prévu, enfin il a visualisé qu'il allait faire le tour de la Terre par deux fois. Et dans les années à venir, donc enseigner. Toute la terre, et que son vœu le plus cher, et qui en fait correspond également au but de sa mission, serait évidemment que tous les êtres humains se donnent la main et prient ensemble, sous forme de deux cercles. Alors là, je ne sais pas si c'est des cercles qui se croisent, ou si c'est deux fois dans le même sens, ou dans un sens différent, mais enfin bon, je ne pense pas que c'est beaucoup d'importance. Et bon, moi je lui ai posé la question s'il pensait que ça allait effectivement se réaliser, ou si c'était simplement un rêve, un objectif, etc. Et bon, quand je lui ai posé la question, je pensais par là, est-ce qu'il pense véritablement que la Terre va vers une évolution de ce style, ou si elle va plutôt vers une destruction, quoi. Et alors il a répondu par l'affirmative, ouais. Bon, maintenant, il a donné deux... je pense, enfin ça je le dis à titre personnel, je pense pas que ce soit véritablement bon dans cette vie-là que ça se passera. Il disait aussi qu'on était très très sensible au titre, au diplôme, des titres par diplôme et tout ça. Que personnellement, il a été... Il parlait de la notion d'enseignant et d'enseignant. Que quand on est enseigné, il faut toujours faire passer le message. Il ne faut jamais garder l'enseignement pour soi-même. Il faut toujours faire connaître. Non, c'est bien, je crois. Que lui pense à peu près
que par des enseignants, on apprendra à peu près 90% de ce qu'on apprend, et que 10% qui restent, on les apprendra nous-mêmes. Que lui, personnellement, est allé jusqu'à la cinquième, mais ça marche à l'envers. Aux États-Unis, je ne sais pas exactement à quel niveau ça correspond, mais enfin, ce n'est pas un haut niveau scolaire, et que malgré tout ça, 5 universités lui ont donné des titres de docteur. Il a été enseigné par des maharishis aux Indes, et il a le titre de maharishi aussi. Mais pour lui, ça ne lui fait aucun effet, ça ne correspond à rien dans le monde de ses grands-pères. Il a dit aussi que, à cause de toute cette importance qu'on donne au titre, il a été invité à une réunion mondiale du World Wildlife, où il y avait tout plein de rois, de princes et de princesses, des gens avec beaucoup d'argent. Son reproche personnel qu'il fait à ces gens, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'ils l'utilisent pour eux-mêmes au lieu d'en faire profiter les gens. Et que tous ces gens sont... Il avait été invité pour faire le discours d'ouverture. Et que tous ces gens, après, sont venus... après ou pendant, enfin, je ne sais pas exactement quand dans la réunion, mais ils sont venus lui serrer la main et lui baiser la main. Et que jamais dans sa vie, il avait été autant... Honteux. Oui, honteux. Le shame, c'est vraiment très fort. Et que... C'était les gens qui faisaient cette démarche envers lui, mais par contre, quand il est allé voir le pape qui lui a tendu sa main avec l'anneau à baiser, il a pris la main, il a serré très fort. Hein. Et la main du pape était molle. Ouais, molle comme un chiffon mouillé. Il a parlé. C'était la fois. Oui, il a dit qu'il était il avait été en prison, oui. Et qu'il y avait 15 000 dollars pour 15 000 dollars. Une caution très forte pour pas. Pour que personne puisse payer la caution. Et c'est d'aller et Sammy Davis Junior, voilà. Qui est un noir et un juif de surcroît, et un borgne, que tout le monde connaît, je pense, qui est venu. Et qui a payé en cash, en liquide, l'argent de la caution. Et alors Nixon a téléphoné pour présenter ses excuses. Et les livres a également dit cet argent qui venait, de l'extérieur, on pouvait croire que c'était le hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est venu parce qu'à ce moment-là, il fallait que cela vienne. La fois d'avant aussi, il avait donné l'exemple, tu avais raccourci un peu par rapport au souci de l'argent, qu'il avait d'un jour reçu un chèque très très fort aussi. Je fais toujours une confusion entre 50 000 et 15 000, mais enfin une somme vraiment très très forte. Aussi, si tu donnes un franc ou si tu donnes. Non, mais qu'importe, un gros chiffre. Qui venait d'une dame qui avait gagné son argent en étant sucreries en étant l'héritière de Lindt. Ah oui, du chocolat suisse. Oui. Oui. Elle était l'héritière de Lindt. Elle lui a envoyé un gros, très très gros chèque. Il a dit sa femme, du temps de sa vie, était parfois très en souci sur le plan financier parce qu'il n'avait pas d'argent à la banque, ils n'avaient pas toujours de quoi flouter. Et l'Emdir lui disait, mais ne t'en fais donc pas pour cela, ça arrivera. Voilà. Et lorsque ça devait arriver, ça arrivait sous une forme ou sous une autre. Before we start, how long do we go? We can go now to the Cigogno to explique. Enfin, ça, je comprends mieux dans un sens que je ne peux parler dans l'autre. Il faut monter au Cigogno pour que les gens se mettent leurs affaires là-haut et pour aller manger. We have to go to the Cigogno to see where we will sleep and where and we will have meal. Over there. If you look at that diagram that you have in your hand, the diagram shows you the morning star on top. Next page.
Non, moi non. It has this design on top. It has that design on the top. That's what you're looking at. It has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It has 8 morning stars. And those are the planets as they sit, starting from Mercury, coming back to Jupiter. Each point represents a morning star. There are 16 of them at the points. There's 16 little uprights. And these go right straight on through like this. So if you look at that diagram, it has a straight 2 squares on that. This first square right here, the first square is negative. And the second square on top, one square sitting on top of the other one. The negative is the real yield. Yeah, this square one. This is west, south, north, and east. These two going this way and these two going this way creates the negative. It creates a square. The other from the southwest and the northwest creates a negative, positive. The second square is positive. So when you take these two squares together, both squares, it has the 8-point morning star. And inside, when this square is made, there's also another morning star. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There's a little star in the middle also. And those little star in the center represents, if you look at it, it's the square is here. And then it sits like this. See, there's another 8-point morning star there. Here. There's a morning star there. The 8-point morning star. And this one represents the 8 supernaturals inside the sweat lodge. This on top. This one here. And the outside one, the big one, this one here represents the morning stars. The big one represents the positive. The small star represents the negative. Then the squares the other way. The small one, the first square is negative. The second square is positive. So negative and positive comes tangled like this. And in each square, if you look at it, in each position there are 8 butterflies in there. Maybe on the second page you can see it better. But the next page from that. The other page. That's it.
So there is eight of these. Eight of these, that's the symbol of the butterfly. There's eight of them sitting there connected. See if you can see them. I can see all eight of them. These ones here. And if you can see them on here, there's one here. You turn it, there's another one here. You turn it, there's another one here. And it goes around. You can see it on that circle very easily. It always has to have this shape. There's eight of them. Can you count all eight of them? Can you see all eight of them? Eight of these butterflies sitting there. Yeah, so this, it has to be eight of them, complete eight. Like this. There's one there, there's one there, there's one there, one there, one there, one back here. There are eight of them. You have to look very hard. That's where your eyes, you see how good your eyes are. Mm-hmm. If you can see the eight morning stars. No, they're all the same size. You're looking at the wrong place. This over there. Right there. This is one. Here, 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 here. See this design here? This and this is one. You turn it this way and there's another one. One, two. Turn it this way, there's another one. There's another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Just eight symbols there. Eight butterflies. It represents it. This power, this one here represents the power of the woman. The butterfly always represents the power of the woman. The strength of the woman. That's what it represents. It reminds you where this sweat lodge came from. Thousands of years ago, man started to break away from his teachings. And the woman seeing the man, the problem with him was man did not understand what the women ministration flow was all about. Why she did this? Why the student ministration? Man did not understand, so the woman started to tell him, this is purification. The woman is purifying. During the moon time, ministration flow, she's purifying herself. She's taking all the poisons, negative energy, and throwing it out, pushing it out, pushing it. It's a time of meditation and time of prayer. That's what it's all about. It's the meditation and prayer. To constantly remind you, you know, you can go someplace, and if you see a river, it reminds you of yourself. It reminds you of the time of the moon ministration. The time when children come into the world. It reminds you, that connection is there. Man never purifies himself. Physical purification. And because man never purified himself physically, the sweat lodge was given to the man from the woman, so that man may be able to purify himself mentally and spiritually, physically and emotionally. There, man must learn how to cry.
and man cries in the ceremony. He prays. But you hear in this civilized world, they teach you that a weak man will cry, you'll cry. But we teach it the other way. A strong man cries, and a weak man holds it inside of his body. And he blows up, he explodes. Because he holds it tight. And he gets angry, and he hits the woman. And it's violent. And comes out like this. But you are taught how to do that. Religions tell you how to do that. They teach you that you hold this inside. The woman is very dirty on her moon time. That you are taught. They teach you that. A woman is not clean during her moon time. But I would say it is the other way around. The woman is purified. She is very weak at this time. She can communicate any kind of thing, negative spirits, negative feelings. You really get this inside of her. So you look beyond, you have to see beyond this and know that it is time for prayer and meditation. Many years ago, when I started to teach, when my mother was dying, my mother died 8 months before my father. And the night I went to bed and something woke me up. And on the wall of the room, it was like a light coming and got bigger and bigger and bigger, and it stood in front of me. And it was a woman, and she had long hair hanging clear down here. It was blowing in the wind. And she had white leather buckskin dress on. And underneath her feet were clouds. And she looked at me and she said, "My son, look." And she went like this. And a sweat lodge appeared in front of her. "Take a look." And I looked. I said, "Look." She said, "Another one." Three times she pointed, and each time a sweat lodge came. She walked backwards and she said, "Remember these always." And she turned around and she left. 4 years later, she came again. In the same way, at this time, I was pulling buffalo skulls that pierced on my back at the Sundance, in the skin. I was pulling the buffalo skulls when she came. She was very angry. She said, "Son, I thought we told you to remember those sweat lodges." "You're supposed to remember the sweat lodge, and we told you so. Have patience. Don't go too fast." Here I was teaching the sweat lodge and already getting into the Sundance. You're supposed to go slow. He said, "At the end of this Sundance for 4 days," he said, "you will know that I was here by the fire you will see to the north." And then she left. "Remember," said the sweat lodge of purification, the Inipi. On the fourth day, I just finished. And somebody hollered, "There's a sweat lodge on fire, and there's 8 sweat lodges over here. The one on the north burned down to the ground before anybody got there. The sweat lodge completely burned down." I was going to run over there, and then I thought I knew better. I said, "They told me, look to the north, and you will see a fire." And it burned the sweat lodge down as a reminder, to always remind me the connection that I must teach this. Purification. Man must purify himself. This was given to us by the woman so that man may purify himself inside of this sweat lodge to purify. And they have broken away from that.
But it is like everything else. Like the sun dance. Pain, you know, in the skin, very deep, and pulling and breaking free, ripping the skin. To remind us, the man, that the woman has pain when she brings children to the world. And this pain here, pulling, or on the back, it reminds us of our sisters who have went through their pain. So let me take some pain, what little pain I can bear, so that you may understand that I know your problem, the pain of bringing children. So this is what the sun dance is all about, always reminding the man. Here is a ceremony that the man is reminding the woman. I remember. I am doing this for you. And the women come there to help with the sun dance and participate with our food and water for 4 days at the sun dance, looking at the sun for 4 days and four nights, from sun up to sundown, looking at that sun dancing all day. That's endurance, 4 days. The spirits are all there, the strength is there. And it's very hard to do this. And this, after fourth day, piercing, everything is finished. Ceremonies are all finished. The woman understands that the man has gone through an endurance. And then the woman draws strength from the man of what he sees, she's seen, praying and dancing. That only through prayer that there is no pain. Without prayers, there is much pain at childbirth. So this is, you know, the connection again. Always connecting things to the sweat lodge, to purification, to the sun dance. Ceremonies that are always done. This is one way how it came. And the sun dance and the sweat lodge, the purification ceremony. And this is our knowledge of how it came. It keeps us in an even balance between man and woman. When the man starts to understand, so that the man does not have to go through becoming a chauvinist, becoming the oppressor, but to bring the woman at the same level as man. I know that many people will think, most men always don't like to think about that. So that this man who does not think he should, woman should be on the same level, should be reminded that he has daughters too. And if a man takes his daughter and puts her through school, through education, and trying hard, so this man is working hard, so his daughter is going to the university and finishes the university. Is it right for his daughter to work as a housewife all her life and washing dishes? I would say no. I would say that my daughter has the equal chance, the same as any man, with the sweat and tears I put to put her through education. She has just as much right to be a doctor, a lawyer, or anything she wants to be. And that's her equal right. She might bring children into the world, but she has that right also. It's up to her. Many times today, some of the things, the reason why women going into this liberation thing is because of that. Women are not treated equal. I see that all over Europe here, especially in Germany, where women are not given that equal opportunity to become an architect and an engineer. They're pushed down. This is a chauvinistic feeling that they have. It's got to end.
If a man loves his daughter, he'll help her. My daughter is doing very fine, you know, her and her husband. They have children, but they both work. Now they don't have to worry about children. Children are going to school now, so they both work. And she's using her education as an advantage. So both of them are on an equal basis. And it's a good feeling to see that. And that's some of the things in our teaching. That man and woman are equal. In the eyes of the Creator, man is not over woman. Neither is woman over man. They're equal together. They walk hand in hand. And we must see to it all over the world that these, you know, that these things do not change and continue the way it has been of man dominance over woman. It cannot stay this way forever. At a demonstration a few years ago outside of one of the military bases outside of England, in London, not too far from London, I was there when the women were demonstrating. Mm-hmm. When the women held hands all the way around the circle. I was there on one side, and I was there praying. And I started it off praying with them, held hands, and then connected them and walked away. And the entire holding hands of all these women around the big circle. It was such a beautiful sight. I've seen this happen, and it's such a good feeling. Women with children fighting, because the man is working behind there, inside the military base, being part of the destroyer, killers of babies, the future generation. This has to end, but to change it, we must work together to change it, so that we can look into ourselves as a man looking into himself. Through you comes children, as women. Children come through you. From our seed to yours, it comes through you. And children come into the world. And we must respect these children who come from you. Man is an essential part, but man is not 100% of it. There's very little of it. And the woman carries the baby in her stomach for 9 months, and the child is born. It is like the pregnancy of the earth, the Svatlaj. It is dome shape. You go inside, it's heat, all the heat that's in there. You pray, you come out. It's like being reborn again, being born into the world. You was born of your mother. Your mother brought you here. Give yourself a chance to let the earth bring you in once again. And learn it constantly. Every time you walk in the Svatlaj, sitting there to pray, and you're coming out, it's like being born again. We give you the chance to guide your way to the spirit world. So man cannot confess another person's sins. A priest or the pope, he can't get up there and confess your sins. Only one, the Creator, can do that. And he cannot say, I am the messenger of the Creator, because the messenger of the Creator is the offsprings, which is you. All people are the offsprings of the Creator. And therefore, we are just as holy as that man in Rome. He is not holy because he's sitting up there. He's a political politician. And that happens to be with every religion leader of the world. They don't control the way to the spirit world. They guide your way, and that is it. And that should be the end of it. We guide your way, and you can go. We teach you about the Svatlaj and how to do everything. And I would say, no.
Whenever you need problems, I will return. So sweat lodges are coming up all over Europe now. And I can go to the other end of this mountain range that way, Monday evening. I'll be sitting in Donaueschingen having a sweat lodge there, because I have 4 sweat lodges in Donaueschingen. There I will be praying. And I will go along the Rhine River and go to Constance and have a sweat lodge there. Then I will go from there to Amiswil, and then I'll have a sweat lodge there. And I'll wind up at Herzl in Zurich. Now if I really want to, I can go from there to Schwarzburg, have a sweat lodge there, and go on my way to Geneva, then to Grenoble, find my way all the way to Montpellier, sweat lodges. So they're everywhere. That's a connection, you know, so if we can know where all these sweat lodges are. So if you happen to go to Oslo in Norway, you can go to Bakker and know there's 2 sweat lodges standing there. You can go there and purify yourself. So there's sweat lodges everywhere in every country. We have set them up for the benefit of those people who are learning about it. So make your life a little easier. You go on a vacation, you find a place, you find a sweat lodge. So you can purify yourself. It is kind of a thing that we want people to do, so that all people will learn. And those that come to the purification ceremony has learned the right way, and maybe they have a sweat lodge at their house. So you can visit and have ceremonies all over the world. It is something that we are trying to do now today, to build these sweat lodges so you can purify yourself. I've been shaking my head for 10 minutes, but she kept writing, so I just kept going. Sur le dessin qu'il a fait, le premier dessin qu'il a fait, parce qu'il l'a modifié, les 8 points extérieurs représentent l'étoile du matin, et ce sont les 8 planètes. Vous retrouvez le schéma sur la page 7-10. On les retrouve avec les planètes Mercure, Pluton, Neptune, Vénus, tout ça. Il y a, en prolongation de ces intersections qui déterminent les points, ça fait donc 16 points extérieurs. J'ai oublié ce que représentent les 16 points extérieurs. C'est les 16 mystères. Il y a aussi, avec ces formes, on les voit mieux sur la page 6, il y a des formes de papillons. Ce sont ces formes-là. Comme ça. Alors, il y en a un ici. Il y en a un autre comme ça. Il y en a un autre comme ça. Et au total, il y en a 8. Les papillons représentent le pouvoir de la femme. Et ils rappellent, les papillons rappellent à l'homme d'où vient la hutte de sudation. Juste une parenthèse, il y a encore des étoiles à un autre niveau. Ah oui, attends, là. Oui, j'ai pas marqué. Je les ai marqués sur mon papier, mais j'ai pas marqué. Alors en reprenant la page 7-10, il y a à l'intérieur des carrés. Un carré comme ça. Que je le retrouve. Qui est négatif. Ils sont tous négatifs. Ceux-là. Et il y en a un qui est positif. Celui qui a une forme de losange. Ouais. C'est-à-dire que celui. Vous voyez, quand il y en a un qui est positif. Moi, c'est presque ce que j'ai compris. On a 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et aussi, ça, c'est les 8 esprits négatifs, quoi. C'est ça. Il y a les 8
Je reprends tout. Hein. Donc il y a les 8 étoiles du matin qui correspondent aux planètes, prolongées par les 16 mystères. Il y a de nouveau 8 points qu'il a montré. 8 étoiles du matin. Hein. Qui représentent donc les huit étoiles du matin, c'est les positifs, et les 8 intérieurs, c'est les négatifs. Voilà. Ce rectangle-là, enfin, qui est un carré, le carré-là. Non, les intérieurs, c'est les supernaturels négatifs, ça. Les 8 intérieurs négatifs, c'est les supernaturels, c'est pas des étoiles. Oui, c'est les esprits. Oui, c'est ce qu'on a vu ce matin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est supernaturel, dont on lui a demandé l'explication. Et le carré ici est négatif, mais ce carré-là est positif. Est positif. Ouais. Mmh. Voilà. C'était pas évident, mais... Mmh. Alors, la Sweat Lodge. Les hommes, il y a bien longtemps par rapport à maintenant, mais ça devait quand même... Au moment par rapport à la création, les hommes, en tant que mâles, enfin, je vais spécifier, ça fait partie de l'histoire, ont oublié l'enseignement que leur avait donné le Créateur. Et il y a eu des dissensions, il y a eu des choses qui n'étaient pas harmonieuses à l'intérieur des groupes. Et par contre, les femmes, ça allait toujours. Parce que les femmes, de par leur menstruation, ont le pouvoir de se purifier tous les mois. À chaque mois, elles extériorisent tout ce qui n'est pas bénéfique et tout ce qui n'est pas bien en elles. Et en plus, chaque fois qu'une femme voit une rivière, cela lui rappelle d'où elle vient. Mais l'homme n'a pas des cycles pour se purifier. Il faut donc que la femme lui apporte la loge de sudation pour qu'il se purifie. Un homme, dans notre civilisation occidentale, un homme ne pleure pas, un homme fort ne pleure pas. Par contre, dans le monde indien, un homme fort pleure. C'est le faible qui prend tout en lui et qui un jour explose ou bat sa femme. On dit aussi dans notre civilisation qu'une femme est impure quand elle a ses règles, mais ce serait plutôt le contraire. Et le temps des règles pour les femmes est un temps de prière et de méditation. Et là, elle a raconté un fait personnel. Quand sa mère est morte, il venait juste de commencer à enseigner la loge, ce qu'il fait maintenant, la loge de sudation et tout ça. Et en même temps, par rapport à sa tribu, il participait à une danse du soleil, qui est deux enseignements différents. Et sa mère est morte, et au moment, dans la nuit où elle est morte, il s'est réveillé et sur le mur, en face de lui, il a vu une lumière blanche qui s'est agrandie, et une femme est apparue avec une robe de daim blanche. Elle flottait sur des petits nuages, elle était posée sur des petits nuages. Et elle lui a parlé, elle lui a dit, fils, souviens-toi de ça. Et elle a tendu la main comme ça, et sous sa main est apparue une loge de sudation. Mmh. Et elle a fait la même chose, elle l'a rappelé en lui disant, fils, souviens-toi de ça. Et avec son autre main, elle a fait apparaître une autre loge de sudation. Elle l'a fait plusieurs fois. Et lui a regardé, vu. Et plusieurs années après, quatre ans plus tard, il était en train de participer à la danse du soleil. Et soudainement, il a eu la même vision, la même femme qui lui a dit, fils, on t'avait pourtant dit qu'il te fallait que tu te souviennes de la loge de sudation. Et il lui a dit, tu verras, ce soir, tu verras un feu au nord. Pour que de nouveau, il se souvienne. Et il a fait la danse. Quand la danse a été finie, de ce coup, quelqu'un a fait remarquer qu'il y avait une loge de sudation qui était en feu. Et la loge de sudation était au nord.
et il s'est souvenu de ce qu'il avait vu. Mais pourquoi la loge de sudation, c'est incompatible avec la danse du feu ou... Donc, on pourra lui poser une autre question. La danse du soleil. Et la danse du soleil. Alors attends, peut-être que ce que je vais raconter après va... Ah. Mais sinon, on pourra lui poser la question. Dans la danse du soleil, c'est une danse qui dure 4 jours et 4 nuits, et où les hommes ont des peaux de bison et ils ont des points, des la peau percée par des crochets avec des points au bout. Mm-hmm. Et cette danse qui dure 4 jours et 4 nuits est faite pour que les hommes se souviennent de la douleur de l'enfantement des femmes. Mm-hmm. Et quand les hommes ont fini de danser, ils sont donc épuisés. Et les femmes, de par la fatigue des hommes, apprennent le message suivant, c'est que dans la prière, il n'y a pas de peine, et sans prière, il y a de la peine. C'est parce que les hommes prient en dansant qu'ils arrivent à supporter toute la peine. Et entre le fait que les femmes amènent la loge de sudation aux hommes et que les hommes dansent la danse du soleil, il y a un message de l'un à l'autre et de l'autre à l'un qui maintient les relations dans la tribu en équilibre. Et que même si certains hommes renâclent par rapport au fait que l'homme et la femme sont égaux, et ont les mêmes possibilités. La femme est l'égale de l'homme. Et pour lui, il ne voit pas pourquoi une femme n'aurait pas les mêmes possibilités que l'homme. Dans ce sens, c'est qu'un homme a une fille. Cet homme travaille dur pour avoir l'argent, pour permettre à sa fille d'aller jusqu'à l'université et avoir des diplômes universitaires. De quel droit, après, cette femme est obligée de rester chez elle et de faire seulement la vaisselle et des travaux ménagers? Dans ce sens-là, c'est ne pas tenir compte de la peine de l'homme. Il y a toujours, l'homme et la femme sont en liaison, puisque c'est l'homme qui travaille dur pour payer les études de la femme. Le fait de dénier à la femme son travail revient à nier la peine de l'homme. Je l'ai compris comme ça. Mmh. Il pense que sa fille a autant le droit d'être docteur ou architecte ou ingénieur que n'importe qui d'autre. Et c'est parce que les hommes ont oublié cette égalité que les femmes ont créé le MLF. Il s'est souvenu d'une manifestation en Angleterre où il y avait des femmes qui manifestaient autour d'une base militaire, en faisant un cercle tout autour de la base et en se donnant la main. Il était là, il priait à côté, il ne faisait pas partie du cercle, mais il les a rejoints un court instant pour comme impulser le cercle. Et ça a été quelque chose d'assez de fort pour lui, parce que, en définitive, ces femmes... ces femmes qui manifestaient étaient le symbole de la vie, puisque c'est elles qui donnent la vie, autour d'une base militaire où des hommes n'ont pour autre mission que de faire la guerre et de détruire les enfants. Et les enfants, c'est donc le futur. Et c'était pour lui un symbole puissant. Parce que les enfants viennent par les femmes, par l'intermédiaire des femmes. Et quand une femme est enceinte, la grossesse d'une femme, c'est comme la grossesse de la terre. Et il faut se souvenir de tout ça quand on sortira de la lutte de sudation. Quand on sort de la lutte de sudation, on renaît de nouveau. Il faut se souvenir de la spiritualité de toutes choses. Les hommes politiques qui nous gouvernent actuellement oublient la spiritualité, et c'est pour cela que cela ne va pas.
Il se peut que demain, quand on construira la hutte, à un moment donné, ils disent non, ça ne va pas, et qu'on recommence. C'est parce qu'on aura oublié la spiritualité. Et il est très heureux que de plus en plus, en Europe, il y a des huttes de sudation. Il y a des tout un tas de noms de villes. En Suisse, en Allemagne, en Norvège, en France. Mm-hmm. Voilà. À Grenoble. Je peux lui poser la question ? Je veux te montrer la main. Yes. She is asking why it seems incompatible for you to be involved in the INIPI and the Sundance. I don't understand. Oui, I'm trying another one. Demande-lui pourquoi. Ce qu'elle demande, c'est pourquoi la Sweat Lodge a flambé. Ah oui. Alors quoi, ça sa mère lui rappelle toujours la Sweat Lodge. Yes. It's about your vision of your mother when she died. And why the Sweat Lodge burned, why you were in the dance. Was it why your mother kept on remembering the Sweat Lodge? The woman who came was not my mother. The woman who came was the same woman that brought us the sacred buffalo calf pipe. It was the same woman who came to teach. I'm a chief of my tribe. And I have to be constantly reminded all the time, or else I lose patience also. And you know, we are humans, like Ika keeps saying this, we are human. We make errors, and that was one error. I was going too fast, so I had to be reminded. If you don't change your ways, all the sweat lodges will burn up. Take your time and teach it, and go on, keep going. La femme qu'il a vue n'est pas sa mère. La femme qu'il a vue, c'est la créatrice, c'est celle qui leur a apporté le calumet. Le calumet. Non. Elle leur a apporté la sweat lodge. C'est la femme blouson blanc. La femme blouson blanc. Il expliquera par la suite ce que c'est. D'accord. Et ce qu'elle voulait lui dire, c'est que en participant à la fois, il commençait à enseigner l'INIPI. Donc en commençant à enseigner l'INIPI et en même temps participer à la danse du soleil, c'était aller beaucoup trop vite dans sa participation aux choses. Il fallait d'abord qu'il se consacre à l'INIPI. Et puis après, il ferait autre chose. C'était surtout pour lui apprendre à ne pas perdre patience, à ne pas céder à parfois au fait qu'il n'avait pas envie de faire les choses, et pour lui souvenir que c'était, mettons, sa grande mission dans l'état actuel des choses. Mm-hmm. Et que s'il ne s'en souvenait pas, toutes les sweat lodges seraient brûlées. The sweat lodge from the top view, it looks like that. Then you have the first circle and the second circle. And the third circle. And the fourth one. Each circle is a phase of life. You have your superior, your associate, your subordinate, and the inferior.